patrouille au complet et prête à l'action, chef. Merci d'avoir fait aussi vite. L'étal de fruits de Monsieur Porter a roulé jusque sur la route. Oh non! Donc il est coincé parmi les voitures. Quoi? En plein milieu de la circulation? Il faut l'aider, c'est extrêmement dangereux. Ça, tu l'as dit. Donc pour cette mission, j'ai besoin de Chase. Avec ton mégaphone et tes cônes de signalisation, tu vas dévier les voitures pendant qu'on aide Monsieur Porter. Chase est sur le coup. Et de Ruben. Tu vas remettre l'étal de fruits à sa place avec ton bulldozer. Ruben, mais toujours la gomme. Génial! La patte patrouille part en mission. Je suis là, Ryder. On arrive, Monsieur Porter. Chase. Je suis sur le coup. Cône de signalisation. Mégaphone. Merci de suivre les cônes et de tourner par ici. Ouf, merci, Ryder. Ce n'est rien, Monsieur Porter. Tu es prêt, Ruben? Je suis prêt. Avant que les voitures ne les réduisent en compote. De la compote. Votre patrouille au complet, parée à l'action, chef. Merci d'avoir fait aussi vite, les amis. Al, Yumi et Bettina ont traversé un pont. Mais celui-ci s'est relevé et s'est bloqué. Ils se retrouvent donc coincés tout en haut. De Chase, tu utiliseras ton treuil pour tirer leur véhicule et l'empêcher de tomber. Marcus, tu grimperas sur ton échelle pour attacher le crochet. Et Rocky, tu répareras le pont à l'aide de tes outils. La patte patrouille part en mission. Tu as fait vite, Rocky. Cette roue semble être à la bonne taille. Mais elle n'a pas le même nombre de dents. C'est parfait. Chase, tire un petit peu plus. La taille et le nombre de dents correspondent. Clé à cliquer. Tu as bientôt fini, Rocky. Plus que quelques minutes. J'appelle tout de suite du renfort. Stella, j'ai besoin de toi pour un sauvetage aérien. Prête pour un petit tour dans les airs. Chase, utilise ton filet pour amortir sa chute. Mais elle va atterrir de l'autre côté du pont. Rocky, occupe-toi du treuil. Chase, allons de l'autre côté avec mon quad. Faites attention, il y a un grand espace entre les deux. Ça ne grince plus. Rocky, aide le fermier Al à redescendre en rembobinant le crochet et en reculant. Pas de problème. Oh là là. Merci beaucoup pour votre aide, la patte patrouille. Il n'y a pas de quoi. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me pour nous appeler. Je vous souhaite la bienvenue au concours d'observation d'oiseaux de la Grande Vallée. Moi, je m'approcherai discrètement de mes amis à plumes avant d'appuyer sur le bouton. À vos oiseaux, prêts, partez! Un relier à ventre bleu. Oh, un nid. Une photo des oisillons, voilà qui serait merveilleux. Ah, ah. Attendez, je dois envoyer mes dernières photos à Madame Goodway. Oh, oh, je ferais mieux d'appeler la patte patrouille. Je suis perché tout là-haut, la patte patrouille. Dans quelques instants, vous serez en bas et de retour dans la compétition. Échelle. Allez-y, Capitaine Turbo, descendez. Je n'arrive pas à poser mon pied. J'arrive tout de suite. Je vais bien, tout comme maman oiseau. Ah, le nez. On s'en occupe, ne vous en faites pas. Allez-y, descendez. Rocky, cherche quelque chose qui pourrait servir de nid. Plutôt que de jeter, il faut recycler. Ça va aller, ne vous inquiétez pas.
Regardez, je vous ai trouvé un nouveau nid douillet. Excellent travail. Maintenant, il n'y a plus qu'à le mettre en lieu sûr. Ah, j'ai trouvé. Regardez. Accroche-toi, Rocky. Bienvenue chez vous, les amis. J'espère que ça vous plaît. Je crois que ça veut dire merci en langage oiseau. Vous êtes épatante, mademoiselle Marjorie. C'est gentil, merci beaucoup. Mais soyez prudente avec la torche. Nous en avons besoin pour allumer la grande flamme et débuter les championnats. Je ne voudrais pas glisser, trébucher ou... Mademoiselle Marjorie, est-ce que tout va bien? Oui, ne vous en faites pas pour moi. En revanche, où est passé le flambeau? Non! C'est affreux! Messieurs, dames, dépêchons-nous! Bonjour, madame Goodway. Vous êtes prête pour la cérémonie d'ouverture? Eh bien, je l'étais. Mais le parc est en train de prendre feu. Aucun parc ne va brûler, car mes amis, ils assurent. Merci beaucoup d'être venu si vite, la Pat Patrouille. Qu'en penses-tu, Marcus? Je ne vois aucune flamme à l'extérieur, donc je pense que ce sont les racines qui ont pris feu. Tout a commencé lorsque le flambeau est tombé dans un terrier de marmottes. Chase, utilise ta vision thermique. Les racines ont pris feu. Stella, j'aimerais que tu survoles la zone pour voir s'il y a de la fumée ailleurs. Elle! Marcus, Ryder, je vois de la fumée par ici. Stella a raison, je vois un deuxième incendie souterrain. D'autres racines ont dû prendre feu. Et les marmottes commencent à sortir de leur terrier. Leur terrier forme des galeries souterraines reliées entre elles. Il suffit d'arroser l'ensemble de ces galeries. Mais avant, nous devons faire sortir toutes les marmottes de leur maison. Par ici, venez. J'ai plein de bonnes friandises. Attends, marmotte en vue. Coucou, toi. Tu voulais nous aider à éteindre l'incendie, c'est ça? Dépêche-toi, Marcus. Accroche-toi. Il n'y a plus aucune trace de fumée. L'incendie est bel et bien éteint. C'est terminé. On a réussi. Bravo, les amis. Pas de patrouille au complet et prête à l'action, chef. Selon Carlos et Tracker, une odeur bizarre pousse les animaux de la jungle à fuir leur maison. Oh, merde. En voulant s'échapper, un petit singe s'est blessé. Marcus, tu vas prendre ta trousse de secours pour soigner le singe blessé. Et de Stella, tu vas chercher l'origine de cette odeur avec ton hélico. La Patte Patrouille part en mission. On a trouvé Carlos et Tracker. Ryder, Marcus, merci d'être venu aussi vite. Marcus, examine la patte du singe. Radio. Ta patte va vite guérir, mon petit. On va juste lui mettre un bandage. Stella, as-tu pu identifier d'où venait l'odeur mystérieuse? Je survole le marais. C'est bizarre, il y a plein de bulles vertes qui sortent de l'eau. Je crois que ce sont des bulles puantes. Bien joué, Stella. Beau bandage, Marcus. On va voir ce qui se passe au marais. On appelle ça du gaz des marais. Des plantes et des arbres pourrissent au fond du marais. Quand ils fermentent, ça produit un gaz puant qui fait apparaître ces bulles. Stella, fais du vent avec ton hélico pour pousser les bulles plus loin. Excellente idée, Ryder. Voilà, toutes les bulles sont parties. Je trouve que ça sent déjà meilleur. Chase, Marcus, incident terminé. Vous pouvez ramener les animaux au marais. On s'en occupe, Ryder. On va pouvoir faire notre safari photo. Voici quelques amis qui sont d'accord pour qu'on les prenne en photo. Retrouve les épisodes de la Patte Patrouille sur Nickelodeon Junior.